Bonsoir, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un enseignement. Alors, je te préviens, il fait pas toujours plaisir cet enseignement. Ça déménage à tous les coins de rue, mais crois-moi que c'est très enrichissant parce que je vais m'appuyer sur ce que dit notamment la Sainte Vierge. Donc, s'il vous plaît, messieurs, dames, la Sainte Vierge. Alors, comme vous pouvez voir, je suis pas dans mon contexte habituel. C'est pas un fond vert qui me permet de projeter un décor d'église derrière. Je suis vraiment dans une église. Il y a toujours, comme d'habitude, YouTube, Instagram. Et puis, vu né comme ça, 1500 paroissiens qui remplissent l'église. Et il y a une projection dehors. Et les gens avec des parapluies. Oui, parce que... Je crois que c'est la première fois d'année où il pleut en Normandie. Voilà. Donc, j'allais commencer la petite page de pub, mais je pourrais le refaire, mais ça peut concerner aussi. Il me reste quelques livres qui disparaissent à vue de nez, donc profitez-en si vous voulez ce soir. Il y a le carton là-bas avec un petit panier. Je devrais pas le dire sur les réseaux sociaux, mais je vous le fais à 15. Voilà. Mais oui, ben vous avez qu'à habiter ici. C'est donc pour la petite histoire au passage, un livre témoignage que m'avaient réclamé les éditions Artege, qui est une grosse maison d'édition chrétienne. Depuis des années, puis moi je me disais, je suis un jeune prêtre, témoigner de quoi, naninana. Et puis chemin faisant, j'ai un peu évolué. Je me suis dit, mais finalement. Notamment quand j'ai eu Covid, j'ai lu 5-6 témoignages d'affilée de gens. Il y avait un prêtre, mais il y avait pas voilà. Et je me dis quand même, c'est assez agréable à lire les témoignages. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu des témoignages de conversion, des gens qui étaient dans la galère, comment ils sont sortis de leurs problèmes, tout ça, tout ça. Et je trouve ça assez enrichissant. Et ça se lit facilement et on peut faire des allers-retours avec sa propre vie. Et je me souviens que d'avoir passé des heures à chialer, à lire des témoignages, parce que c'est souvent très touchant, voilà. Et donc je me suis dit déjà, après tout, pourquoi pas, puisque en fait n'importe qui pourrait écrire un livre sur sa vie et ça serait intéressant. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est que je me suis dit que ça serait l'occasion de faire parler de la beauté du sacerdoce, d'être prêtre salésien de Don Bosco, c'est-à-dire une vie vouée aux jeunes. C'est l'occasion d'en parler et de faire connaître. Et alors si un jour, je sais pas moi, il y a un jeune qui se pose la question de la vocation et qui lit ce bouquin et qui se dit « Ah ouais, j'ai envie aussi d'être prêtre » ou « J'ai envie de devenir bonne sœur, consacrer ma vie aux jeunes ou à que sais-je, enfin voilà, de consacrer ma vie ». Alors là, je regretterai pas tout l'effort que ça nécessite d'écrire un livre. Voilà. Voilà. Donc c'était la petite intro. Alors pour aujourd'hui, le thème c'est le jeûne et sacrifice, et je vais m'appuyer tout simplement. Alors bien sûr, je pourrais m'appuyer soit sur la parole de Dieu, les saintes écritures, soit aussi sur le magistère de l'Église. Mais je me dis finalement, j'ai constaté quand j'entends un petit peu les enseignements de mes confrères prêtres, et ils vont majoritairement, ils vont être très doués pour justement partir de la parole de Dieu et du magistère. Et parfois, ils connaissent moins les révélations mystiques. Et pourtant, pour moi, c'est un poumon important de notre respiration spirituelle. Voilà, je suis convaincu que si Jésus et la Vierge Marie prennent la peine d'apparaître et d'adresser des messages au monde, c'est pas pour trois pelés intondus, c'est pour toute âme de bonne volonté. Et s'ils font cet effort-là de venir nous interpeller, je pense qu'il faudrait, ça serait dommage de passer à côté. Alors certes, il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu, bien sûr. Donc il n'y a aucune obligation de s'intéresser à toutes ces révélations mystiques, que ce soit des apparitions, les écrits de mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Faustine, comme on l'a commenté la semaine dernière à Putange, Maria Valtorta, Luisa Picaretta, enfin tous ces mystiques. On peut très bien être tout à fait droit dans ses bottes de chrétien sans avoir lu tout ça, d'accord.
Mais quand on lit ça, je vous assure, ça charbonne. Ah ouais, ça réveille, ça secoue. Et d'ailleurs, vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte vous-même. Vous êtes prêts? C'est bon, il y a Evan qui est prêt, donc c'est parti. Alors, je m'appuie sur cette femme. Est-ce que vous reconnaissez qui c'est? Sœur Lucie. Alors je montre aussi là. Sœur Lucie, j'allais dire Sainte Lucie, non, elle n'est pas canonisée, mais ses deux cousins sont canonisés, Francisco et Jacinta. Ce sont donc les trois enfants de Fatima. Et Fatima, c'est pas si vieux que ça, c'est un bon siècle, hein. C'était d'abord, l'apparition de la Vierge Marie était préparée par des apparitions de l'ange. À trois reprises, je crois, donc 1915, 1916, là. Et la première apparition de la Vierge Marie, c'est le 13 mai 1917. Et elle va apparaître donc six fois, les 13 du mois. Elle aurait bien voulu apparaître le 13 août, mais les enfants avaient été kidnappés, et jetés en prison pour essayer de les faire avouer qu'ils mentaient. Donc du coup, ils ont eu l'apparition le 19 août. Et la dernière apparition, donc, le 13 octobre, avec le fameux miracle du soleil, vu par entre 50 et 80 000 personnes rassemblées, amassées là, sous une pluie torrentielle. Et ils se sont retrouvés sur ce terrain, à la Cova de Aria, pour assister au miracle qui avait été donc annoncé par la Vierge Marie. Et il y a eu ce miracle du soleil, le soleil qui s'est mis à tournoyer, à se rapprocher. Ils ont eu la peur de leur vie et surtout ils ont été séchés, comme on dit. Je ne sais pas si ça vient de là l'expression. Ils ont été séchés sur place. C'est-à-dire que ils étaient trempés jusqu'au trognon, si vous me permettez l'expression. Et au moment du miracle du soleil, ils étaient secs. Et il y a eu plein de miracles, des guérisons d'aveugles, de personnes handicapées, etc. D'un coup, ça a été. Il y a même eu des phénomènes tels que l'impression de pétales de rose qui tombaient, des pétales immatériels, voyez, qui tombaient sur la foule. Enfin, c'était hollywoodien, quoi. La Vierge Marie, elle s'est lâchée là. C'était le mois d'octobre, c'est son mois. Elle s'est lâchée, Donc, mis à part ces menues plaisanteries, ce qui est déjà moins rigolo, c'est ce que la Vierge Marie dit là-bas. Et alors là, fini de rire, les gars. C'est pour ça que je blague un peu au début, parce que après, ça va être plus. Alors, je vais vous lire des petits extraits de ce que vivent ces enfants au contact du surnaturel, quoi. Donc, trois petits bergers, hein, trois petits enfants comme ça, quasiment analphabètes, enfin, très, très peu, de très peu d'instruction, en tout cas. Alors, il y a d'abord l'apparition. Ah, attendez. Parce que. Voilà. Donc, dès la première apparition. Oh, j'aurais pu parler de l'apparition de l'ange avant. Ouais. Voilà. Donc, l'apparition de l'ange d'abord. Donc, c'est en 1916 qu'il va y avoir cette apparition de l'ange. Nous avons passé la journée à cet endroit, donc dans une oliveraie là. Alors même que la pluie avait cessé et que le soleil s'était de nouveau montré, clair et beau, nous avons pris notre repas et récité notre chapelet. Peut-être s'agissait-il, je ne sais plus, d'un de ces chapelets que nous récitions souvent, comme je l'ai déjà dit à votre Excellence. C'est donc les récits de Lucie qu'elle explique à l'évêque qui lui a demandé de faire un récit de toutes les apparitions. D'accord? Peut-être s'agissait-il, je ne sais plus, d'un de ces chapelets que nous récitions souvent, comme je l'ai, voilà, où on faisait défiler les grains en disant seulement les mots Ave Maria et Notre Père. Vous voyez l'astuce? Vous faites pas ça, vous, hein? Donc, au lieu de dire je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur, il disait juste je vous salue Marie, quoi. Je vous salue Marie 10 fois, quoi. Je vous salue Marie. Ben, c'est sûr que là, le chapelet, en 5 minutes, il est torché, quoi.
Et elle, donc, elle disait qu'il faisait le chapelet comme ça, tant nous avions hâte de nous amuser. Le chapelet terminé, nous nous sommes mis à jouer aux petites pierres. Bon, voilà. Cela faisait un certain temps que nous étions en train de jouer, lorsqu'un vent fort secoua les arbres et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait, car la journée était calme. Nous avons vu, ça me rappelle Bernadette à Lourdes, il y a eu aussi une espèce de vent étonnant alors que c'était calme. Nous avons vu alors se diriger vers nous, au-dessus des oliviers, la même figure dont j'ai déjà parlé. Ah oui, parce je crois qu'il avait il l'avait déjà vu, mais il n'y avait pas eu de parole l'année d'avant. Marrant, hein ? Jacinthe et François ne l'avaient encore jamais vu et je ne leur en avais jamais rien dit. Ah oui, c'est Lucie qui l'avait vu. Voilà. À mesure qu'elle s'approchait, cette figure, quoi, hein, nous distinguions mieux ses traits. C'était un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la neige, que le soleil rendait transparent comme s'il était en cristal. Beau, hein ? Comme s'il était en cristal et d'une grande beauté. En arrivant près de nous, il nous dit... Vous voulez savoir ? Alors, vous pouvez faire ça ou ça, hein, quand... D'abord, ça réveille, et voilà. Vous voulez savoir ? Ne craignez pas. Oui, parce que vous imaginez un ange en cristal comme ça. Ne craignez pas. Je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. Et s'agenouillant par terre, l'ange s'agenouille par terre, comme nous ferons tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il inclina la tête jusqu'au sol et nous fit répéter trois fois ces paroles. Ça doit être beau, hein, vous imaginez l'ange qui est à genoux, qui a le front contre la terre et qui parle les paroles suivantes. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Alléluia. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, d'abord, n'adorent pas, en deuxième, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. C'est bête comme chou, cette prière. Hein. Il faudrait la dire de temps en temps dans notre journée. C'est très beau. On en a parlé la semaine dernière au sujet de la miséricorde, parce que j'expliquais justement que le bon Dieu nous demande d'ouvrir notre prière aux limites du monde, de pas prier que pour notre petit clocher ou notre petit nombril ou notre petite famille, d'élargir les dimensions de notre prière au monde entier et d'offrir justement prières, jeûnes et sacrifices pour la conversion des pécheurs et pour la réparation des péchés. Nous allons y venir. Ensuite, il se releva et nous dit « Priez ainsi, les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » C'est beau ça, non ? Ces paroles se gravèrent de telle manière dans notre esprit que nous ne les avons jamais oubliées. Et depuis lors, nous passions beaucoup de temps ainsi prosternés à répéter cette prière, parfois jusqu'à tomber de fatigue. Alors une autre fois, il se passait un certain temps, un jour d'été, alors que nous étions restés à la maison à cause de la chaleur, nous étions en train de jouer sur les dalles du puits que possédaient mes parents, au fond du jardin, et qu'on appelait... voilà. Soudain, nous avons vu près de nous la même figure, c'est-à-dire le même ange, à ce qu'il me semble. C'est donc la troisième apparition de l'ange. Il nous dit « Que faites-vous ? Priez !» Ils étaient en train de jouer, les enfants. C'est mignon, des petits enfants qui jouent, blablabla. Et là, l'ange qui réplique, le gros rabat-joie. Que faites-vous ? Priez. Priez beaucoup. Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Alors, Lucie demande, les sacrifices, comment les ferons-nous ? De tout ce que vous pourrez. Donc, l'ange répond, de tout ce que vous pourrez. C'est intéressant, donc vous voyez pourquoi je me sers de ça pour le thème de ce soir. C'est que c'est déjà, l'ange, il explique déjà, la Vierge Marie, elle explique. Alors, moi, qu'est-ce que je rajoute ? Donc, je vais juste le perroquet. Donc, comment faire des sacrifices ? C'est quoi faire des sacrifices ?
Hein, c'est des petits-enfants, rappelez-vous. Et puis même nous, des fois, on peut se dire, ben, c'est quoi faire des sacrifices? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous comme sacrifice? L'ange répond, de tout ce que vous pourrez, de tout ce que vous pourrez. Premier élément de réponse très intéressant. C'est ce que disait aussi Don Bosco à Saint Dominique Savio, qui était assez zélé en matière de sacrifice. Par exemple, il se mettait des briques sous son fin matelas la nuit pour un peu avoir mal pendant la nuit, offrir ses douleurs à Dieu. Il rabaissait la couverture jusqu'à en dessous de la poitrine pour avoir froid pendant la nuit. Voilà, des choses comme ça. Pour offrir des sacrifices comme ça. Et Don Bosco va recadrer un peu ça. Et il va lui expliquer que le sacrifice à privilégier avant toute chose, avant de faire quelques excès de ce style, c'est d'abord la façon d'accueillir le réel tel qu'il se présente. Je répète, c'est d'accueillir le réel, la réalité, telle qu'elle se présente. Le train qui a du retard, la maladie qui pointe le bout de son nez, le collègue de travail ou je ne sais quel petit enfant qui nous envoie un message un peu agressif. C'est toutes les adversités de la vie toute bête qu'on vit tous, quoi, qui sont à envisager comme des lieux de sacrifice, c'est-à-dire d'accueil. Seigneur, j'accueille, je te l'offre. Telle contrariété, tout de suite, on doit être comme une espèce de station d'épuration, c'est-à-dire immédiatement, on offre ce qui nous pèse, ce qui nous chagrine. Voyez ? Et le problème, c'est que nous, les chrétiens, je dis nous les chrétiens, je me permets, eh ben, on est comme les autres Français. Non ? On est des râleurs professionnels. Je dis professionnels parce que des fois, on se demande si on n'est pas payé à la râlerie, tellement on râle. Voilà, y a une espèce de record de râlage. Et c'est tout l'inverse de la mentalité de l'Évangile qui dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». C'est tout renversé dans le régime divin. Dans le régime divin, ce qui est épreuve, ce qui est adversité, ce qui est pénible, ce qui nous casse les pieds et ce qui nous sort par les trous de nez, eh ben, c'est la bonne nouvelle. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est un avantage. Je vous jure que c'est vrai. On prêche pas assez là-dessus. C'est ça. Le problème, c'est que on est plutôt dans la phase, si vous voulez, on n'a pas encore franchi le cap. Je vais vous expliquer. Les non-chrétiens, ils subissent. Les chrétiens, ils se donnent des raisons de subir. Mais non, l'évangile, c'est pas se donner des raisons de subir. C'est d'accueillir avec presque un certain enthousiasme, ou au moins une certaine indifférence et une certaine joie de se dire « Tout cela contribue à mon bien et au salut du monde. » Vous vous rendez compte encore le chemin qu'on a à faire, non? Vous voyez les trois étapes, je répète. On a les gens peut-être non chrétiens qui, à l'épreuve, ne voient que l'épreuve. On a normalement un chrétien de base qui sait que bon, il y a l'épreuve, mais bon, Jésus a souffert aussi, donc voilà, on va tenir bon. Oh là là, fou, mal. Non, ça, non, mais non, en fait, ça, non, c'est pas encore le christianisme. C'est à la limite le bouddhisme, mais voilà. Et enfin, la vraie mentalité évangélique, c'est cette adversité que traverse ma vie, c'est peut-être un lieu de conversion, un lieu de renaissance. Si le grain de blé ne meurt pas, tombé en terre, ne meurt pas, il ne porte pas du fruit. C'est tout le temps, mais tout, relisez l'évangile tout le temps, c'est on magnifie la souffrance. Alors, pas la souffrance en tant que telle, mais ce que Dieu peut faire avec une situation de souffrance. On est certain, quand on est chrétien, que ça va être mieux que s'il n'y avait pas l'épreuve. C'est ça. Donc, en fait, vous voyez, c'est pas seulement qu'on fait avec. C'est pas seulement que, on se serre les coudes, Non, c'est que on entrevoit toute épreuve dans notre vie comme un lieu possible
de sanctification, de fécondité. Vous vous rendez compte? Qui pense comme ça, vraiment? Qui accueille les épreuves comme ça? Même moi, je suis pas sûr, parce que moi, c'est là, moi, j'ai que des petits soucis d'une vie quotidienne de, je sais pas moi, de directeur de collège et autres bricoles. Si j'apprends demain que j'ai, je sais pas moi, un cancer des os, je sais que ça, je vais pas tout de suite. Ah, c'est cool, j'ai un cancer des os. Mais quand même, grâce au fait que je prêche quand même souvent là-dessus et que j'ai suffisamment lu de choses là-dessus que dit le Seigneur, je crois que assez rapidement, ce cancer des os, je dirais, Seigneur, béni sois-tu, quoi. Je suis sûr que tu vas tirer un bien supérieur avec cette nouvelle que j'apprends, que si je vais porter plus de fruits avec ce cancer des os que si je ne l'avais pas. C'est ça la foi du chrétien. Il est certain que tout est dans sa main et que si je suis amené à vivre ça, c'est mieux même. C'est mieux. C'est fou, hein? C'est ça la mentalité du chrétien. Vous voyez le chemin? Voilà, l'acceptation. Regardez Job, je crois que je l'avais cité la semaine dernière. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Bénisse, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, ça rime comme ça, dans cet ordre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit... Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit... Alléluia. Bon, on est en carré, mais j'ai craqué. Et quelques versets plus loin, lorsqu'il parle, vous savez que Job perd tout. Oui, c'est ça. Il perd tous ses biens dans un premier temps. Hein, Satan cuisine Dieu en lui disant « Ouais, Job, il est sympa avec toi parce que il vit dans l'opulence, il est riche et tout va bien. Tout lui sourit, c'est normal qu'il t'adore et qu'il te craigne. Hein, mais s'il perd tout, tu vas voir s'il est encore fidèle. » Et Dieu lui dit « Ah ouais, tu crois? Ok, bah vas-y, fais-lui tout perdre, mais pas la vie par contre. » Et tu verras. Et donc il lui enlève tout, Satan. Et Job continue de louer. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit... Alléluia. Et deuxième round, Satan arrive un peu penaud devant Dieu. Ouais, bon d'accord, mais si tu lui enlèves la santé... Là par contre... ça va moins, tu vas moins rigoler. Et Dieu lui dit, ok, je te confie sa santé, mais ne lui ôte pas la vie. Voilà. Et c'est ce qui se produit. Et alors là, la chose que peut-être Job aurait aimé que Dieu lui ôte, c'est sa femme. Mais hélas, elle, c'est la seule survivante. Et pourquoi je dis ça? Parce que la femme lui dit, elle trouve pas mieux à lui dire que de lui dire, avec tout ce qui t'arrive, tu devrais maudire le ciel. Donc, elle n'avait pas l'air commode, sa femme. C'est peut-être pour ça qu'il lui a laissé. Et donc, Job répond à sa femme, « Mais tu es folle. Si nous accueillons, comme venant de la main de Dieu, le bonheur, pourquoi n'accueillerons pas non plus le malheur ?» C'est pas extraordinaire, ça. Voilà. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit depuis le début. Bon. Benjamin, calme-toi. Allez, donc, j'ai lu qu'une phrase de l'ange. Je ne vous ai pas dit, c'est 2 heures la conférence ce soir. Hein, ça va? Vous êtes bien couverts? Ok. Oui, parce qu'en homélie, je me restreins. Vous avez vu, je fais des efforts maintenant. J'ai des homélies de 10 minutes au lieu de 20. Mais là, ce soir, je me lâche. Hein. Non, rassurez-vous. Alors, de tout ce que vous pourrez, répond l'ange, c'est-à-dire que le sacrifice se vit de toutes les adversités du quotidien. Soit les piques qu'on vous envoie, qu'on s'envoie parfois mutuellement dans une famille, même dans le couple, ou entre les enfants et les parents, les enfants, les petits-enfants, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, attention. Hein. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Moi, je sais pas, moi, si j'ai un élève qui me manque de respect,
je vais pas offrir ça au Seigneur, dire « Oh Seigneur, je t'offre, ça me fait mal au cœur. » Non, je vais le recadrer sévère. Voilà. Mais n'empêche que ça fait jamais plaisir, ça touche notre sensibilité. On n'est jamais totalement insensible aux paroles des autres, n'est-ce pas? Même quand on dit « Oh non, moi ça me fait rien. » Si on a besoin de le dire, c'est peut-être que finalement ça nous fait un peu quelque chose. Mais en tout cas, il s'agit pas de rien, de ne pas réagir, même à la maladie. Si, comme l'exemple extrême que je donnais, j'apprends que j'ai un cancer, je vais me battre contre la maladie, d'accord? Accueillir comme tout venant de la main de Dieu ne signifie pas être passif. Au contraire, ça demande une grande implication, mais avec un grand abandon. Faire confiance que tout est dans ses mains et puis qu'on va faire ce qu'il faut et puis voilà. Donc l'ange répond, les sacrifices, je vous rappelle la question, c'est les sacrifices, comment les ferons-nous? Donc l'ange dit, de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé. Offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation. S'il y en a qui prennent des notes, ça c'est vraiment à noter. Un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. C'est tout. C'est les deux grandes intentions qui sont délivrées à de nombreuses reprises à Fatima. C'est consolation, on va dire, du cœur de Dieu et conversion des péchés. Ça commence par les mêmes six lettres. Conversion, consolation et conversion. Ça vous va si c'est plus facile de résumer comme ça, non? Consolation, conversion. Regardez, ça rejoint pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. C'est toujours comment on appelle ça, le balancier à tenir en équilibre. C'est complètement uni. C'est les deux poumons de notre vie. C'est-à-dire, on vit et on meurt pour le salut du monde, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen ou pas amen? Ah, ça fait du bien parce que d'habitude, je suis seul devant mes écrans. J'entends pas les gens dire amen. Mais je suis sûr que vous dites amen chez vous, non? Alors, il y a une cinquantaine sur YouTube, une cinquantaine sur Instagram. Est-ce que vous dites amen chez vous? Rassurez-moi. Alors je vous rassure sur YouTube, si vous ne pouvez pas faire un commentaire deux commentaires en moins d'une minute, c'est parce que ça me permet tout à l'heure quand je ne pourrais pas surveiller le chat, des fois j'ai des haters, yeah, c'est-à-dire des gens qui ont la rage et qui des fois font des messages obscènes ou insultants, ça arrive, voilà. Et donc comme ça les bloque un peu. Donc, je disais acte de réparation pour les péchés, on va y revenir ça, hein, et supplication pour la conversion des pécheurs. L'ange continue, il dit, attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Intéressant ça. Ça, c'est vraiment intéressant, hein. Chaque pays a un ange. Et ça en dit long sur l'honneur, comment dire, l'importance de la nation. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait tout mélanger. Le monde est un village, le mondialisme, etc. Il n'y a plus qu'un pays sans frontières. Il y a un peu l'idéalisme bisounours du sans frontières. Et ce qui est intéressant, c'est de se rappeler, non, une nation, c'est le sentiment d'appartenance à un peuple, et c'est riche de valeurs aussi. C'est pas méprisable, c'est important. Dieu connaît son peuple, lui. C'est nous qui, des fois, soit on pète plus haut que enfin voilà, soit on pêche par qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire on est un peu, on n'est pas assez incarné. Non, le sens de l'incarnation veut que les hommes ils vivent en communauté, ils construisent une identité culturelle, etc. Et c'est important. Et le Seigneur met à la tête de telle identité culturelle, nation, voilà, mais à la tête un ange. Donc il y a l'ange du Portugal, il y a l'ange de la France. C'est intéressant ça, hein? Surtout, dit-il, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Il dit surtout, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, en gros, vous n'êtes pas, c'est même pas une histoire de se rajouter des sacrifices. C'est déjà
ce que je disais tout à l'heure, accueillir tout. Voilà, comme ça. C'est pas mal, hein, ce que disait donc Don Bosco à Dominique Savio. Il disait, le plus grand des sacrifices, c'est déjà d'être, de bien faire son devoir d'État. De bien faire son travail scolaire. De bien faire son boulot, de bien aider à la maison, de bien ranger les affaires, s'il y a eu deux miettes, même si c'est que deux miettes qui traînent sur la table, on les enlève. C'est tout ça. C'est beau, hein. Moi, ça me déculpabilise un peu. Je me dis, ça va, il n'y a pas besoin de s'inventer des pénitences de malade mental. Déjà, dans ces petites choses, le Seigneur m'attend, en tout cas. Voilà. OK? Voilà. Alors, j'avance plus loin. Alors, il y a un moment donné, ils leur donnent la communion. Ça, c'est incroyable. L'ange leur donne la communion, comme avec Garabandal, où on a même une photo, hein, on voit bien l'hostie sur la langue d'une des enfants, elle s'appelle Conchita d'ailleurs, à Garabandal, en Espagne. C'est incroyable, hein. C'est-à-dire, on voit apparaître sur la langue une hostie et en plus légèrement lumineuse. Franchement, le ciel, quand il se lâche là-haut... Ils manquent pas d'inventivité. Alors, on avance un peu. Et donc, les enfants, ils vont vraiment prendre très au sérieux ces paroles, quoi. Ils vont prendre très au sérieux ces paroles. Par exemple, je vais vous donner des exemples des pénitences que faisaient ces petits-enfants. Ils avaient donc 7, 8 et 10 ans, quoi. 7, 8, et je pense que quelqu'un a eu l'anniversaire, enfin, certains disent 8, 9, mais au début des apparitions, c'était 7, 8. 7, 8 ans et 10 ans, je crois. Et donc, je me retirais dans un endroit solitaire. Là, à genoux, incliné sur les dalles qui recouvraient notre puits, je mêlais mes larmes. Ah oui, non, alors oui. Oui, c'est-à-dire que sa mère, Lucia, elle était un peu. Pénible, hein, la mère. Elle n'arrêtait pas de lui dire, t'arrêtes pas de mentir. Elle était très violente avec elle des fois ça. Ouh. Et elle pleurait, la pauvre Lucia, parce que tout le monde voulait la contraindre à dire qu'elle avait menti, mais elle ne pouvait pas dire qu'elle avait menti. Elle n'avait pas menti. Elle n'allait pas mentir en disant qu'elle avait menti. Vous me suivez? Et donc là, des fois, elle pleure, et elle se rappelle les paroles de l'ange. Elle dit, ah, eh ben, j'offrai mes larmes. Voyez ce qu'elle dit, hein, je vous fais le résumé. Elle disait, mon Dieu, c'est en acte de réparation et pour la conversion des pécheurs que nous vous offrons toutes ces souffrances et tous ces sacrifices. Voilà, à chaque fois, acte de réparation et de conversion. La très sainte Vierge, donc, 13 mai, première apparition. Voici les paroles que nous dit la très sainte Vierge ce jour-là et que nous avions décidé de ne jamais révéler. Après nous avoir dit que nous irions au ciel, elle nous demanda. Donc la Vierge Marie dit que Francisco et Jacinta vont bientôt monter au ciel, mais que Lucia va devoir rester plus longtemps. Et Lucia, effectivement, est morte en 2005, je crois, hein, donc pas loin d'être centenaire. Et les deux autres, ils sont partis très tôt l'année d'après, quoi. En odeur de sainteté, hein. Et d'ailleurs, quand on a déterré leur corps, au moins Jacinta, je ne sais plus si c'est le cas de Francisco, le corps était intact et il y avait des odeurs de fleurs. Voulez-vous offrir, donc c'est la Vierge Marie qui dit, voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Même discours que l'ange, l'ange les avait bien préparés. Vous voyez, la Vierge Marie, la question qu'elle pose à des enfants de 7, 8, 10 ans. Oh, c'est pas la Vierge Marie et cucu les petits oiseaux, hein. Voulez-vous vous offrir pour supporter toutes les souffrances? C'est pas très tendance. Oui, voilà. Oups. Oui, nous le voulons. Telle fut notre réponse. Évidemment, quand on a la Vierge Marie, oui, on dit oui à tout, quoi. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, dit la Sainte Vierge. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Amen ou pas amen? Amen. Trop beau. Alors, il y a plein de passages. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre qui est les Mémoires de Sœur Lucie. C'est vraiment fabuleux. Je vais sur les passages concernant davantage le sacrifice et tout ça.
Alors, Jacinthe, ah oui. Ah oui, ils mettaient des cordes. Ils nouaient une corde à leur hanche, quoi, pour, à travers les mouvements de la journée, ça frotte et ça fait mal. D'accord? Ils trouvent une corde par terre, ils la coupent, ils se mettent ça, et voilà. Mais à un moment donné, il serrait fort. Cet instrument nous faisait parfois horriblement souffrir. Plus d'une fois, Jacinthe, c'est la petite, hein, laissa tomber quelques larmes à cause de la gêne que la corde lui causait. Si je lui disais de l'enlever, elle répondait « Non, je veux offrir ce sacrifice à notre Seigneur en acte de réparation et pour la conversion des pécheurs. » La réparation des pécheurs. Un autre jour, nous nous amusions à cueillir le long des murs certaines plantes avec lesquelles on produit des petites détonations quand on les serre dans la main. Jacinthe, en cueillant ces plantes, prit en même temps, sans le vouloir, des orties qui la piquèrent. En sentant la douleur, elle serra davantage la main et nous dit « Regardez, regardez, encore une chose pour nous mortifier. » Depuis lors, nous avons pris l'habitude de nous donner de temps en temps des coups sur les jambes avec des orties pour offrir à Dieu ce sacrifice en plus. C'est fou, hein? Et il faut bien voir derrière ça l'amour et la compréhension qu'ils ont que toute souffrance offerte a une fécondité inégalable. Et nous, des fois, quand on râle devant la souffrance, on ne la voit pas comme une opportunité de fécondité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, il faut convertir notre regard, les amis. La souffrance est une opportunité de fécondité. Moi, dès que j'ai un mal de tête, je me dis, déjà une bricole, hein, bon, c'est facile de dire ce que je suis en train de vous dire quand c'est que des bricoles, hein, j'en conviens. J'espère que je pourrai dire la même chose quand ce sera moins des bricoles. Je l'espère de tout cœur, le Seigneur, je compte sur sa grâce pour que je puisse non seulement le dire, mais le vivre surtout. Mais je crois qu'il faut se réjouir même d'un mot de tête, même d'un désagrément, même d'un petit torticolis, même de l'offrir tout de suite, réflexe, hop, tiens, ce matin je me lève, ah, j'ai une pointe dans le dos là, peut-être ça va durer qu'un ou deux jours, mais hop, je l'offre, Seigneur, je l'offre pour la conversion des pécheurs. Et pour en réparation de toutes les offenses qui te sont faites sur la terre. Vous vous rendez compte, vous allez voir, même ça donne une force, ça donne une niaque pas possible pour supporter la souffrance, vraiment. Par exemple, là, il fait froid. Vous avez tous eu le réflexe d'offrir votre souffrance du froid. Par exemple, moi, là, j'ai les mains gelées, quoi. Ah, non, pardon. Non, Seigneur, je t'offre mes mains gelées. Ah, c'est chaud. Donc, voilà, donc il faut tous les petits désagréments de la vie. Et même, je vais vous dire pour les plus feignants d'entre nous, une souffrance offerte, ça vaut même, je ne sais pas combien de chapelets. Et pourtant, le chapelet, Dieu sait que c'est une arme puissante déjà. Donc, bon, ça ne veut pas dire que quand vous souffrez, il faut plus prier chapelet, hein. Hein, vous n'avez pas compris ça. Alors, Jacinthe, laissant transparaître la joie sur son visage, dit alors. Ah oui, ah non. Donc, trois messieurs vinrent nous parler. Après leur interrogatoire bien peu agréable, ils s'en allèrent en disant, décidez-vous à dire ce secret, sinon monsieur l'administrateur est prêt à en finir avec votre vie. Et puis, c'est des messieurs comme ça, sérieux, eux, c'est des petits enfants comme ça, et finir de votre vie, c'est quand même une sacrée menace. Et notamment, ils les ont menacés, ils ont dit, dans la pièce d'à côté, il y a un chaudron rempli d'eau, d'huile bouillante, et si vous dites pas que vous avez la vérité, c'est-à-dire que vous avez menti, eh bien, on va vous mettre l'un après l'autre. Et donc, Jacinthe, laissant transparaître la joie sur son visage, dit alors, mais que c'est bien! J'aime tellement notre Seigneur et Notre-Dame, ainsi nous irons les voir bientôt. Moi, je comprends pas, excusez-moi, hein, je comprends pas quand je dis que j'ai hâte de mourir, que ça choque des chrétiens. C'est des chrétiens qui n'ont pas lu l'Évangile ou quoi? C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de mourir, hein. L'éternité bienheureuse, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Pourquoi on a ce rapport morbide à la mort? On est quand même. On est têtu, hein? Non, mais c'est vrai, on est bête, quoi. Franchement, on est bête. D'ailleurs, Satan, dans certains exorcismes, il dit, mais vous êtes bête. Vous comprenez rien, les humains. Il a raison. Quel est le problème?
La seule chose qui est navrant dans la mort, pour nous autres qui restons, c'est voilà, c'est le lien. La beauté du lien consiste en se voyant, en se touchant, en s'embrassant, en s'écrivant. Oui, ça c'est coupé. Ça, c'est un lieu de douleur et c'est normal que ça le soit et il faut que ça le demeure. Mais nous, qu'avons-nous à craindre de la mort alors qu'on sait très bien que c'est le plus bel instant de notre vie, ce sera quand on va mourir. À condition évidemment d'avoir une vie dans le Christ, de se confesser régulièrement, d'aller à la messe le dimanche et de faire un chemin d'humilité. Parce que même si on va à la messe le dimanche, c'est ce qu'on fait souvent, mais si on n'est pas humble, bon, ben, le passage, ça va un peu bloquer. La porte étroite, ça va. Voilà, donc il faut quand même faire le régime minceur de l'humilité. Mais bon, ça, on n'est pas capable par nos propres forces, c'est le bon Dieu qui réalise en nous, donc on lui fait confiance, il le fait, et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, la mort n'a jamais le dernier mot, on le sait, quoi. Jésus a vaincu la mort, alors pourquoi on a encore une vision de la mort alors que nous, on devrait être les premiers à avoir ce regard serein vis-à-vis de la mort, parce que si nous, on l'a pas, qui l'aura sur terre? Moi, des fois, je discute avec des musulmans qui ont un regard sur la mort bien plus intelligent que nous, les chrétiens. Enfin, je veux dire qu'ils sont bien plus, eux, ils sont plus dans l'abandon au destin, quoi. Donc, voilà, une sorte de volonté divine, finalement, hein. Il y a des intuitions qu'on peut trouver, si ce n'est, elles se joignent pas forcément, mais elles sont parallèles. Mais voilà. Bon, bref, je m'éloigne un peu trop. Je reviens. Alors, là, donc, Jacinthe dit, mais que c'est bien au sujet de la mort qu'on lui annonce. Ça va? J'aime tellement notre Seigneur et Notre-Dame, ainsi nous irons les voir bientôt. C'est ça qui doit nous habiter, les amis. Je vous assure, si on est tous habités par ça. Est-ce que tout le monde m'entend là? Ça va? Là, c'est plus le moment de dormir, hein. Je sais, c'est le coup de barre du vendredi soir. Mais là, il faut vraiment écouter avec les oreilles de la tête et du cœur et de l'âme. Si on est vraiment amoureux de Jésus et de Marie, la mort n'est qu'une bonne nouvelle. Et dans le même ordre d'idées, hein, que j'ai déjà dit avant, si on est vraiment amoureux de Jésus et de Marie, excusez-moi, la souffrance est aussi une bonne nouvelle. Quelle que soit la souffrance, ne nous inventons pas des excuses. Mais il n'y a pas, on n'aime pas la souffrance. Ouais. Ah oui. Bien sûr, mais justement, ce que je suis en train d'expliquer. Ben oui, mais enfin, les gens, ils peuvent se débrouiller sans vous, hein. Nul n'est indispensable, même nos enfants, hein. Si vous voulez, c'est tant mieux que ça vous choque. Je suis très heureux que ça vous choque, c'est le but, et c'est parce que c'est l'Évangile nous choque. Donc c'est normal, c'est bon signe. Mais méditez que moi, c'est pas mon opinion que je suis en train de vous dire, c'est la parole de Dieu. Donc avec ça, vous faites votre cuisine et chacun chemine comme il peut avec ça. Et avec les émotions qu'il traverse. Moi, je dis toujours que j'ai très hâte de mourir. Et bien sûr que je vous parlais d'un cancer des os, il paraît que c'est très douloureux. Sur mon lit d'hôpital ou de je ne sais où, c'est sûr que je vais peut-être gémir, je vais peut-être faire, je vais horriblement souffrir, je vais râler, je vais peut-être être dans le combat. Mais ce qui est certain, c'est que ma foi m'indique que c'est un lieu de fécondité. Et ça me suffit. Ça suffit, c'est tout. C'est dans les mains de Dieu, tout ça. D'ailleurs, les premiers chrétiens, puisque vous les évoquez, c'est très intéressant. Dans Maria Valtorta, Jésus lui donne cette grâce incroyable d'être plongé dans les scènes des premiers martyrs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ce soir. C'est que les chrétiens, ils louaient l'Éternel, béni sois-tu Seigneur. Et ils faisaient des chants de louange dans les espèces de cages dans lesquelles ils étaient enfermés avant d'être conduits dans les arènes. Et ils pleuraient, ils n'arrêtaient pas de dire, mais on n'est pas digne de mourir martyr, Seigneur, loué sois-tu, béni sois-tu, c'est une telle grâce, merci Seigneur. Voilà, il faut avoir la foi, c'est savoir aussi que le Seigneur nous donnera ce qu'il faut dans le moment présent de notre souffrance.
La souffrance vit à l'instant présent. Et en fait, il nous donnera tout ce qu'il faut. C'est tout, tout est... Donc oui, notre sensibilité, elle va réagir. Ah non, je veux pas souffrir. Voilà, c'est comme... Il y a aussi l'instinct de survie qui rentre en ligne de compte et qui est très bon. C'est un don de Dieu. Mais il va transcender tout ça. Et, dans sa, et sa grâce nous donne la possibilité. C'est pour ça que Jésus dit, mon fardeau est facile à porter et mon joug est léger. C'est gonflé de dire ça. Il y a des moments dans notre vie... où on se dit, bah, il s'est juste planté là, Jésus. Je crois qu'il avait bu, il sortait d'une bonne taverne à Jérusalem ou quoi. Enfin, non, c'est pas réaliste. Non, non, c'est parce que en fait, ce qui accroît le plus notre souffrance, c'est des pensées un peu comme celles que vous dites, c'est-à-dire ce qui va accroître notre souffrance, c'est des inquiétudes naturelles. Mais qui en fait prennent le dessus sur la divinisation que le Seigneur veut faire de nous, parce qu'on n'est pas que des humains. Le Seigneur veut nous diviniser, et donc il veut nous aider peu à peu à nous extirper de nos mentalités étriquées humaines. C'est-à-dire par exemple notre inquiétude légitime pour notre progéniture, on le voit ça dans les expériences de mort imminente. Il y a des gens qui ils sont dans cet entre-deux céleste. Eh bien, ils sont plongés dans une foi telle que ils préféreraient y rester, même s'ils ont des jeunes enfants, parce que ils sont rentrés dans la mentalité divine et du coup, ils savent que de toute façon, ils sont pas les sauveurs de leurs enfants. Toute la vie, on se construit avec comme on est, comme on peut, avec toutes les épreuves de notre vie, et que Dieu, lui, il a des vues plus élargies que les nôtres. Nous, on pense que être heureux, c'est ceci, 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 ou et cela. Et en fait, Dieu vient décloisonner tout ça par sa sagesse et par sa grâce. Voilà, bon, alors c'est tout un long chemin, hein, mais voilà quoi, c'est. En tout cas, c'est ça l'idéal. On n'y arrivera pas tous, moi le premier. On chemine là-dessus, on aspire vers ça. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se remettre en question sur nos logiques. C'est pas à nous de remettre en question la parole de Dieu, c'est à la parole de Dieu de nous remettre en question nous. Vous voyez? Il disait aussi, Jacinthe a dit, le bruit courait qu'effectivement l'administrateur voulait nous tuer. Une de mes tantes, mariée habitant de Cazé, vint chez nous avec l'intention de nous amener chez elle. Elle disait, je vis dans un autre canton et pour cette raison l'administrateur ne pourra pas venir vous chercher. Mais son intention ne se réalisa pas parce que nous ne voulions pas y aller et que nous lui avons répondu, si on nous tue, qu'importe, nous irons au ciel. C'est dingue. C'est ainsi qu'arriva le 13 septembre. Ce jour-là, la très sainte Vierge, après ce que j'ai déjà raconté, nous dit « Dieu est content de vos sacrifices, mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde. Portez-la seulement pendant la journée. » Alors ça, c'est intéressant, je le cite souvent ce passage, et puis après on va arrêter. On pourrait se dire, bah, la Sainte Vierge, elle va un peu les raisonner, ces petits-enfants, un peu tout feu, tout flamme. Hein. Elle va un peu les calmer. Hein. Ben oui et non. On pourrait se dire, oh non, il faut pas mettre la corde, vous avez que 7, 8 et 10 ans. Non, elle dit non, ne mettez pas la corde la nuit. Vous pouvez la mettre la journée. Donc il y a, vous voyez, on est à un siècle, hein. C'est pas si vieux que ça. J'aurais encore 10 000 passages merveilleux à vous transmettre d'exemples des enfants qui offrent le moindre truc, en fait. Ils sont tout le temps dans cette idée de se dire, j'offre. Cette conviction qu'il faut sauver le plus d'âmes, cette soif des âmes, voilà. C'est ça qui doit habiter notre carême, c'est notre conversion, la nôtre, et la conversion du monde, et puis réparer. Et il y a Francisco, ah c'est dommage que j'ai pas le temps, mais tant pis. Francisco a maintes reprises, lui, ce qu'il touchait plus encore, c'est très touchant, notamment à la fin de sa vie. Je regarde si je trouve tout de suite parce que ce serait dommage de passer à côté. Francisco, il dit, moi ce qui m'importe le plus, ah oui parce qu'ils ont vu l'enfer aussi, hein. Je ne vous ai pas raconté mais ils ont vu l'enfer. Ça les a beaucoup impressionnés et depuis ce jour-là ils sont encore plus motivés quoi. Hein. C'était le 13 juillet qu'ils l'ont vu. Et Francisco, lui ce qui le touche le plus, c'est de consoler Jésus. Et la conversion des pécheurs, il disait oui, pour la conversion des pécheurs aussi, mais moi je veux surtout consoler le cœur de Jésus. C'est pas beau ça? C'est trop beau. Hein. Là, genoux, il priait et pensait. Oui, alors souvent François, il priait un petit peu à part des autres enfants. François, pourquoi tu ne me dis pas de prier avec toi aussi avec Jacinthe? Enfin, pourquoi tu veux pas prier avec nous quoi?
J'aime mieux prier tout seul, répondait-il, pour penser et consoler notre Seigneur qui est si triste. C'est fort, hein? François, qu'est-ce que tu préfères, consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour qu'il y ait plus d'âmes qui aillent en enfer? C'est marrant, les questions d'enfants. Hein. Je préfère consoler notre Seigneur. Tu n'as pas remarqué combien Notre-Dame, le mois dernier encore, est devenue si triste quand elle a dit qu'il ne fallait plus offenser Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Je voudrais consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs pour qu'ils ne l'offensent plus. C'est beau, hein? Bon, là, il y a plein d'autres passages où il explique... Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je propose qu'on fasse un petit chant pour appeler l'Esprit Saint et préparer nos cœurs à bientôt recevoir à être exposés au corps du Christ. On va pouvoir le consoler. Le nombre de fois que Jésus apparaît à des mystiques pour leur demander de le consoler. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. C'est pas que à Fatima, je vous rassure. Ça, c'est étonnant. On pourrait se dire, Dieu est dans l'éternité bienheureuse. Il ne manque de rien. Il est dans la plénitude. Oui, mais comme il s'est fait homme, en raison d'être, pour une part, homme, il est pleinement Dieu et pleinement homme, alors il est habité par la sensibilité humaine aussi. Et donc, la sensibilité, l'émotionnalité humaine, persiste d'une façon mystérieuse en Dieu. C'est pour ça qu'on voit en de nombreux endroits la Vierge Marie pleurer, ou des statues de la Vierge Marie, ou des croix pleurer, des crucifix. C'est vraiment pour nous dire à nous les humains, mais rendez-vous compte du mal que le péché fait à nous. Et nous, des fois, on engueule Dieu en pensant que c'est lui qui nous fait du mal, alors que c'est tout l'inverse. Ce soir, je crois que le ton de la prière, je vous invite vraiment à penser les choses dans ce sens, se dire comment consoler mon peuple, consoler Dieu, le regarder, et rien que être là, le regarder, et vous laisser regarder dans ces regards d'amour, vous le consoler par votre seule présence. Voilà. Et puis moi, je vais me tenir disponible dans un coin. Par exemple là-bas, avec mon aube et mon étole, pour ceux qui voudraient en profiter pour se confesser. Voilà. Chers amis des réseaux sociaux, je laisse tourner YouTube. Je ne sais pas pourquoi vous êtes si nombreux, je ne sais pas où il y a eu de la pub, mais bon. Et Instagram, je coupe le live, puisque cette partie-là va être en replay. Merci. Donc Instagram, vous inquiétez pas, je relance le live dans une minute, le temps de partager cette première partie.